Congolais panda, Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda Bandeko batali ya émission Point de vie mbote mingwe pa bozwami to bandi émission alelo na invité principal ya émission Pasteur Pierre mercredi to kozana na radio bo réclama ki pa émission mingi par rapport à bandeko bazau me mami tuka ba chauffeur ba taximen ba homme de bureau mercredi nous serons là à la radio avec le pasteur Cass mais aujourd'hui nous sommes devant vous par rapport à ba question botuna ki est-ce que la souffrance du peuple congolais vient des hommes ou des dieux pi de 150 questions mais comme la télévision c'est le temps, comme le net aussi c'est le temps, Trolingato travaille l'élo par rapport à la question d'abord principale, il y a émission à l'élo. Donc invité principal à ça déjà, te remercier équipe technique, te remercier Roger Kalala, Azali Sima à caméra, te remercier directeur de programme Trésor Yala, te remercier directeur, les coordonnateurs Papin Guinamaou, te remercier Stéphane Tsoki par rapport à la réalisation. Émission à Bissou et Bandi, Ozana End, Ozana Portugal, Ozana Londres, Ozana Paris. Plus 243 89 0060 149. Plus 243 89 0060 149. Ozana Kongo Kinshasa, Obeti 089 0060 149. Ndeto Yambi, Oto Zuba question ayo, Oto retourne à mon invité. L'homme de Dieu, Shalom. Shalom. Toye le et panayo. Par rapport à ma question, Bélé, ma téléspectateur, ma Tunagi, par rapport à l'émission Eleki. Est-ce que le temps de la vengeance existe sur le plan biblique? Est-ce que la Bible nous parle aussi de la vengeance? Oui, dans Ésaïe chapitre 35 et dans d'autres chapitres, plusieurs fois, le Seigneur a planifié le temps de la vengeance où lui-même va exercer la vengeance sur tous ses ennemis, les ennemis de la parole, les ennemis de son peuple d'Israël. Donc le temps de vengeance arrive juste après le temps de la grâce. Comme nous sommes à la fin du temps de la grâce, le temps qui va suivre après sera le grand moment de vengeance. Le jour cruel, le jour des ténèbres, le jour où le Créateur lui-même entrera en scène et va déployer sa colère. C'est le jugement des nations. C'est ça le temps de la vengeance. Le jugement est quoi avant enlèvement ou après enlèvement? Il y a deux jugements. Juste après l'enlèvement, c'est la vengeance. Où le Seigneur va entrer en jugement avec les nations païennes qui ont dirigé la terre jusque-là. Il va détruire, par exemple, l'Amérique. Il va détruire l'Europe catholique. Finalement, il va détruire la Russie. À ce moment-là, le règne des hommes a pris fin. C'est le règne du Seigneur, le Christ qui va commencer. Le millénium, ça sera une période de 1000 ans. Le septième jour, période de 1000 ans, où les jours des hommes seront prolongés. Parce que pendant ce temps-là, c'est lui qui donnait les maladies, c'est lui qui séduisait la terre, c'est lui qui produisait des faux prophètes, aura été arrêté et mis en prison d'après Apocalypse vers les derniers chapitres, donc chapitre 20. Après le millénium, le septième jour d'après le Seigneur, période de 1000 ans, viendra alors la dernière confrontation, Satan sera relâché pour un peu de temps, de sa prison comme une liberté provisoire. Il ira encore vers les nations et puis il va les séduire pour la dernière fois. Et le Seigneur va mettre fin à sa vie en le détruisant par le feu. Et puis le jugement dernier, le véritable jugement dernier commence où chacun sera jugé d'après ses œuvres sur la terre.
Si son nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie, il est jeté dans les temps de feu. Alors c'est fini. Satan, pour lui, soit était fini, et tous ses sujets, la politique et tout, ça sera fini. Merci l'homme de Dieu. Ça sera la mort des esprits, la destruction des âmes. Oui. Est-ce que Bato Bakoufi, Tobakoufa, sans pour autant recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, na vina bango, le jour de la résurrection, bango pe bakoseko. Tout le monde doit ressusciter. Même les gens Bakoufi na Christ. Depuis Caïn, oui. Il y a deux résurrections. Il y a des jugements, il y a des résurrections aussi. Ouais, oui, il y a la première résurrection qui est la résurrection des justes. La résurrection des membres de l'église épouse du Seigneur Yeshua. Depuis le temps de Paul ou de Pierre, jusqu'au temps de la fin, le temps du prophète Branham. Donc tous ces gens-là qui avaient reçu le message en leur temps vont ressusciter, mais ce n'est pas pour rester sur la terre, c'est pour aller au ciel. Ils iront au ciel avec les vivants en Christ, comme les gens qui sont dans le message maintenant, le vrai message, pas les tonneristes. Ils vont aller au ciel avec ces gens-là qui vont passer par la transmutation. Et ensemble, c'est l'enlèvement. Selon la prophétie biblique de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, Paul a dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tous ceux qui trompent les autres que l'enlèvement a déjà eu lieu, que Christ serait déjà venu, donc c'est une bande toujours de trompeurs, ils vont rester sur la terre pour être jugés. Lorsque le Seigneur va détruire les nations rebelles, ces gens-là devront aussi rester sur la terre pour que le déversement de la colère s'accomplisse aussi avec eux. Maintenant, après le millénium, c'est-à-dire après le septième jour, ou la période de 1000 ans, il y aura maintenant la résurrection générale. Depuis Caïn, tout le monde va ressusciter, y compris le méchant et ceux qui auront la vie éternelle en ce temps. La résurrection générale, c'est pour comparaître maintenant devant le trône blanc, le trône du jugement. Là, c'est Apocalypse, au chapitre 20. Les deux périodes sont bien signifiées dans les Saintes Écritures. Question d'avoir l'esprit de vérité, l'esprit de la Bible à travers un message qui aurait été apporté par un vrai prophète pour pouvoir entrer dans les Saintes Écritures. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Toyambi, papa, Nabiso, pasteur Kass, Naye, Toko, Sola, Makambo, Binobo, Tindagito, Tounaye, par rapport à l'émission Eleki. Mais Makambo, Aboye, le loi Zoban qui s'appelle Église, l'homme de Dieu. Est-ce que vous prenez le temps devant la chair Yagoté et un peu peuple dédié sur Makambo Oyo? Oui. Parce que... Message du temps de la fin, c'est ça. Oui. Message au prophète Branham à Mémé Libiso. Ezali, explication, il y a plan général, plan Mobimba, Mwango Mobimba, Yankolo, Koyeba, Dengenini, Makambo, Ekoleka. Par exemple, Baoye Bazalaka, Lobby, Bandekonabiso, Dengenini, Bakomina, Kokosa, Kabatuke, Nkolo Asiaye, Kelise, quoi, ici, Salem. Que millénium et c'est bandi. Parce qu'on a gâté un millénium. Oui. Et ça, l'ipo, balakisama qui était malam, na balakisi a solo, y a message, y a tango ya souka. Yangoana, parce qu'on proclamait ma cambo. Bayebite, nini, yé, frébana, maena, nini, si vous êtes aux autres, nini, bayebite, yangoana, vous avez fabriqué, expérience. Mais, Bisso oyo toteyamaka malamu na message ya tango ya suka toyebi mwango mobimba ya nzambe liboso nkolo aya esengeli atinda puissance ya molimo santo ezali programme po ecclesia etelema lisusu na makolo etelema ebanda musala ya Saint-Esprit Denge Bantoma Basalaka Yango Natango Nabango. Simana Musalawana Yakembo Yankolo Nde Nkolo Yeshua Akoya. C'est-à-dire que pour
Kolo Yeshua aya esengeli Ecclesia naye. Ecclesia naye ezala déjà ezongi placé à Tikaki Bango na Pentecôte na Acte des Apôtres. Oui. Donc message ya tango ya suka eye po ezongi sebiso na place wana. C'est-à-dire tozonga na Biblia. Tondi mamate ya Bible ya ba apôtre pe ya ba prophète. Grande bit ya message attend de la fin. Exactement. Merci. Il y a un message à temps de la fin. Donc, tu reconnaître que non, les lois comme le temps à vengeance, tu toi, non, le temps de la grâce. Vengeance. Et ça, c'est quoi, tu il faut nous coloiser ça, nous ça, dans l'église, là, y est. Les bandits, c'est quoi, ils attendent, il y a Malakisi. Pour tout quoi, quand on a Kozonga, dans Mukanda, et Babengi, Mukanda, et Zambé, Bible. Tandis, Mayango, tandis, Abraham, tout ça, on a conduit, mais Abraham, il y a Isaac, il y a Israël. Il y a bana na Israël, oui. Ti na bapotre, tozala na bomoko na makon masanto et si kabo rebi moi c'est à côté te. Foton dima, moi c'est à la te bilambe a mi balite. Foton dima, ce qui tozongi kuna, si koyo nguya. Lokola na tango la bango, bazwaka na no malakisi, si ma mokole a Pentecôte, bazwaka nguya, pe ba batignon so bayi, bayo kakike. Non, eloko moko e komi kuna. Tango bayaki Pierre a ici dans thèse aline boyé ya muri musante pe bayokaki lité ya muke 3000 âmes bazoka li baptisé donc to sokende na makambwana soki ozomona ba on se bazo fabriquer miracle bazo fabriquer pona ni po bayebi mwango mwango na zambete donc prophète ou azoté aller le terre vengeance azan na libunga ayebi eloko mokote et ayebi na ye eloko azolo baté ayoki peut-être ndenge tolobaka. Alors, à fabriquer quelque chose. Tant la vengeance, c'est tant la vengeance. Dans le comité. Merci. Est-ce qu'un homme de Dieu peut aussi être appelé sauveur? Chaque homme de Dieu est un sauveur. Chaque enfant de Dieu est un sauveur. Petit sauveur. Parce que tant oiseau là qui s'amuse là, abixi. Apôtre Jacob à l'obaki pe, bobi qui s'abattu. Et tant que commis mabé. Oui. Bo arraché bango bo. Hein? Bobi mi sabango na moto. Tango est commis mabe. Donc, Liloba Oyo, il y a Hébreu, Machia, c'est-à-dire Moto, il y a Pakolamina, Molimo. Azali libérateur. Donc, Baye Banso, Natango, par exemple, Pakolamina, Molimo, il y a Solo, il y a Biblia. Azali Babikis. Azali qui n'a pas ça. Babikis, il y a Tébele. Mais Mobikis, il y a Monene, Azali Nkolo, Yeshua. Yende atindi biso alobi ke lokola nazali moyi bino pe boza moyi lokola nazo sala bino pe boza sala donc tozali binama ya nzoto na ye tozo sala musala moko na ye. Très bien, tout na pasteur Kas a expliqué biso ne bandeli ya Bible pe na suka ya Bible et pa inini Yesu ya mibengama ki ke yende azali nzambe bon na Bible mobimba par exemple na kanda na lobaki ya prophète Yeshaya bandana na verset 10. Azo mi bien ngaye mo konzambe ezali ngai ngai nde nazali nzambe mutu mususu te ezali pe ezali pe nzambe ya nzambe mususu te na kati na bino ngai nde nazali ngai mo konzambe pe mobikisi donc mobikisi azali nzambe ye moko soki tokesi ko na boyokani ya sika konande azolo batango iso ke azali nzambe ta place nyonso azolo bazali mwana na nzambe ngai nazali mwana na nzambe nazalaki na kati na ye azolo baka azali nzambe parce que mutu akobota kaka mutu nzambe ifo abota kaka nzambe alors balobaki na ye na Jean 14 na Philippe na kisebiso kastata wana nde si esili wana nde kokibi na biso ya lobi mais ezali ngai. Là, il a vendu la binotang, il a dit, yo, Philippe, non, il a dit, non, donc, il a dit, il a dit, il a dit, oh, il a dit, c'est mon tata. C'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Il a vu le Père. Très bien. Dans l'Apocalypse, c'est quoi, dans le premier chapitre. Premier chapitre, verset 7, na 8, il a dit, il a dit, il a Nazali Koya. Nazali, Oyo Azalaka, Oyo Azali, Pe Oyo Azali Koya. Yahweh c'est votre. Commandé bien guillé mon co Yahweh c'est votre. Ça les amis ya Jacob ya Isaac ya Abraham. Chapitre 22 verset 6 là verset 16. Alors bien clairement, Zalinga yende
Gaïza Mbende na tindi mwaze na ngai. Poye visebino makambo yo. Ate ya yango na ba eklesia oyo yangai. Sikoyo na verse 16. Ape sikombo na yeye nzambe alibi. Zali ngai Yeshua. Ngai mwana na David. Ngai hein, le rejeton. La racine est le rejeton de David. Je suis de la tribu de Juda. Merci l'homme de Dieu. Merci l'homme de Dieu. Est-ce que le pasteur Cass a une vision sincère pour la délivrance du Congo? Ça, c'est la première question. Est-ce que le monde spirituel marche avec le monde physique? Des questions. Demande à Yasuka. Le monde spirituel, est-ce que les alliés contemplent le monde physique? Physique. On a évité. Et le konini balingi batuna réellement. Donc, tous vos exemples yamouke, Saint-Esprit azo salakakana batu. Bazali physique, bazali charnel. Esprit ensemble kokota nanzela na bango, kopé sa bango ministère, et puis si bango makabo, et puis si bango solo, pour na koyeba kaka solo na Bible, et c'est le kaka. Okomana esprit, oza okoma yomoko esprit. Donc, naïbité vraiment question. Mais de façon générale, Togoki Koloba Peke. Le spirituel dirige le physique. Et tambola kaka. Le lingue moko. Ata politique. Politique est aucun de boy. Spirituel est aucun de boy. Natango ya Yeshua. La politique, c'est le recensement. Mais il y a quelqu'un qui a un bateau, il y a Moulimo, Myriam, il y a un bateau, il y a un village, il y a un bisakoli, et quoi qu'il y a. Donc, il y a un temps. Il y a un temps. Parallèlement, Est-ce que vous avez une vision sincère pour la délivrance du Congo? Pas une vision, je ne suis pas prophète. Oui. Mais Congo, Bokoki, exclure Bangote, na ensemble, il y a nation. Na zoloba clairement. Ce qui mboka Congo, c'est-à-dire ba dirigeant. Oui, baza ko représenter mboka. Ce qui balingi mboka oyo est changé et comme on a délivrance, hein. Sengili bayoka na peuple ya Israël. Basenga pardon na maimanso mobuto asalaka na peuple Israël. Poye koma mi boy. Oyo akopambola Israël akopambola. Oyo akosala mabena Israël, Yépe, Akozomabe. C'est-à-dire, et Sengeli, si vous avez pardon, qu'on reconnaître, Pekozonga na boyoka na bana na Israël. Bango, bazaibana. Pembo kao y Sengeli, et yokali le baya solo, ya tango yo, et yé nanzela ya moussakoli brana. On m'a dit que l'autorité, basambo kia, on a ba catholique. A catholique, baboy bango. On m'a dit que ba samba kia wana ba protestant. Baboy bango. Mais mangomba mi balewane, zali mangomba ya Satan. Aussi longtemps que ba kambi, ba kozala ba catholique, ba protestant, ba pentecôtiste. Mais le comment quoi que ça remet? Et le comment quoi que ça remet? Mais le tout monde y en a tenu le rôle à pape pas l'attaque. Est-ce que vous prenez le temps, Père Otal, à serviteur de Dieu, Moussous ou à Koutreman à Bang? Papa, là, tu as gagné la tête. Moi, Borsalino, Licolo. Té. Et ça, il y a un papa, tu as gagné la tête. Colo et Soumassia. Té, tu as gagné la tête. Libota, Nanzambe, Israël. Tu as gagné ce qui est en train de se faire. Loi, dans mon béco. Tenu, il y a Bassali. Et ça, qui exigeait. Na moi bonnet yamuke pour na kotali sa humilité na bango di boso ya nkolo ba mikumi sakate ke bazana mayele mingi mais baye bake juste di kolo na bango mayele ya monene zali nzambe donc ezali tenu ya ba sacrificateur ezali ya ba prêtre donc nous sommes aujourd'hui en face d'un sacrificateur
J'ai toujours été sacrifié. Merci. Quels sont les signes qui vont nous montrer que l'église aussi sera enlevée? Premièrement, Esengeli, Ecclesia wana, ezonga na zela ya Bible, le quoi l'église ya liboso et ambakina na mosakoli. Yohana Amatbi, Jean-Baptiste. On est allé à l'émboya liboso. Esengeli sikoyo surtout Ecclesia wana indima message, c'est-à-dire malakisi ya mosakoli ya lelo. William Marion Branham. Parce que zala ki malakisi na yete, ye moko ebaki yangote. Mais pesa qui est yango nankolo Yeshua. Jésus-Christ n'a été frère vraiment. Na bilembo sambo. Yenda la qui est awa antichrist. Awa antichrist 400 antichrist antichrist antichrist. Église catholique. Na bana na yeba protestant. O mona kité mikolo ya bamage, parce que longo. Ba tu ya Satan bangwa. Ville ya Satan et dit ba église wana. Donc il y a des mariages et divorces. Et divorce. Frère Branham, il y a des Américains. Il y a des côté. Il y a des gens qui sont dans la Bible. Zonga, Watala, Muto, Yakimia, le roi Shlomo. Shlomo, Zali, Shalom. Il y a des pas qui sont dans y a des gens qui sont dans la Bible. Il y a des gens qui sont Lokumu. Il y a des Nkolo Yeshua, Tango, Kuyana, Milenio. Le roi de paix. Le véritable Shlomo. Yeshua. Shlomo père Zaki Tata à Jésus-Christ. Tala Tata naye, Moutou, Nkoumou, Pasteur Oyo, Nkolo Alinga, qui mingi, selon Motema Yanzambe. Zaki na 500 femmes. Yenda a zongi si Branham na Bakom. Alors, Branham pe, ba ibisi ebo yena Nkolo. Soki Moutou aza kote ya monogami, ako zara makomia ote. Ako zo yangote. Il y a des gens qui ont été en train discuter sur la polygamie. Il y a des gens qui ont été en disons, ils ont été en train de Genèse 2:24, ils ont été en train de se faire. Quand même, moi, c'est naïf. Il quittera son père et sa mère pour s'attacher à moi. Oui. Mais Elobami, sa femme, moi, elle est née comme ça. Moi, si, oh, yaye. Et ça, il y a une zone. Il faut que ça, moi, c'est naïf. Trois exemples, il y a Mouké. Oh, mon Dieu, ça, vous voyez. Jambé, Alobaki, na Daoud. Moi, na oyo, à cause de Sika, na yo. Azali, moi, na oyo, à cause na katina yo na yena kozala tata na ye ya kozala mwana na ngai na kwa fermir bokonzi na ye donc azwaki benediction na no botamite kasi David azwaki mwana wana Shlomo na mwasi ya boni mwasi wana zaki mwasi musika. Ils ont dit natina ya mama wana azalaka mwasi ya mutu mususu uri le etien ken kola le baki na Daoud point ino ke ozoyi ngai moko na pesi yo basi ebele soki bazala ki bake na koka ki ko baki sa yo basi mususu tango asengi pardon zambe pe a pardonne ye ale abali mwasi wana bazala ki mwasi ya liboso te ya mi balete. Il y a mis ça tout pété. Donc, Batsheba, Azali Mwasi, Daoud, Azwaki, Kalamingi. Parce que Azaki a 500 femmes. Il y a un Koumou Daoud, dans 2 Samuel 3, le Binzamba, Pesinga Bana Mingi. Na Katina Bana Nangai, Aponi Moko, Shilomo. Maman, il y a Azaki Mwasi, il y a des. Donc, Bato, il y a un Batele, il y a un Polygami. Il y a un Bolema, Bolema. Yango Bible oyo mukanda ya musanti ya Zambe kuma minde na bapoligam Moshe azaki na basinda tata na bango banso Abraham Genèse 25 verset 5 na 6 azaki na basi ebele. Expliquez nous un peu le mariage d'Abraham. Abraham abalaki ndenge nini dengenini abalaki ndenge babalaka basi ndenge babalaka basi na yoka ki mutei mususu oyo bayebisinga me yoka ko discuter na Moto ya sala ka théâtre à l'église. Mais il y a un peu de théâtre.
parce que vous avez dit que pasteur, tant qu'on a monika le comportement dans le studio, na nga moko na zela ya mayele na moniki azo sala théâtre mais ba yimsinga sima gasi musala na ye zali ko sala théâtre. Donc alors Abraham abalaki Sarah liboso ye lande konaye bazwa ki basi na Genèse 11 na Genèse 16 Sarah de azueli ye mwasi ya mibali Agar ma part Agar tango Sarah kufaki abalaki lisusu Ketura. Après Ketura, azalaki na basi mususu ndenge Genèse 25 lobi. Na basi oyo baye ses femmes. Ba pasteur wana ya ba dénomination, maye le kutu ya classe ezate. Donc bazolo ba, zamba lo ba kite akozala na basi ya ye mais moi si ya ye. Yok. Mais na basi oyo ya ye, moko na moko azali ya ye. Zali sa femme. Et ni ngolo beza azala ki pona ye moko mais akoyika ko zalate en tant que moi si na nouvelle mususu non zamba boy prostitution. Donc Abraham a le Dieu que nous prions n'accepte pas la prostitution mais il permet la comment dirais-je la polygamie pas qu'il permet il permet ni ngolo ba ki muta singa ki te a tier à établir polygamie. Aboyi de prostitution. Aboyi adultère, aboyi impudicité, aboyi prostitution. Très bien. Toujours on a ma question. Mais alingi polygamie, payé moko azali polygame. Merci. Est-ce qu'une personne qui ne croit pas au ministère du frère Branham, il sera la bienvenue dans l'église? Moto a zone dit ma ministère, il y a frère Branham. Azan a quatre églises, toi n'as pas d'église. Azan a quatre églises. Parce que ministère, il y a Branham. Il y a une lumière, Paul, pour la coach ça peut battre ma église. Ils ont qui Pierre, ils ont qui Fungola, il y a coach ça battu. Tout, il y a Colombo la battu. Matthieu 16. Si ma y a Pierre, na Paul, parce qu'il y a un ministère moko, il y a apôtre, mais tout il y a église. Paul, pour la gentil, Bisso, Pierre, pour la Yuda. Après Bango, Irénée Ndeayaki, évêque général. Après Irénée Martin, tout comme en Irlande. Après Tango, il y a Irénée na Martin, tout comme en Colomba. Si il y a Colomba, tout comme en Martin Luther, Yende Azaki allemand. Asalaka, Bitumba Yamakasi, Naba Pape. Pe Alakisaki Pape, Namosapike, Yende Azantichrist. Martin Luther, il y a peine d'azoua qui n'ingissa, quand on a dit qu'on traduit la Bible. Il y a une Bible, c'est qu'il y a sous la Bible. Parce que, il y a une Bible qui est enterrée. Il y a 68 millions de protestants qui ont la Bible, les catholiques. Après, il y a Martin Luther, John Wesley en Angleterre. Après, il y a John Wesley, il y a William Marie Brown. Donc, au moins, vous allez à l'église, c'est ce que vous allez dans le ministère. Et comme vous voyez dans l'Apocalypse 3, depuis le verset 14, comme la moindre, il y a l'ingomba, il y a l'audic. Il y a des anges, il y a des motindem. Si vous prenez un condiment, na Yeshua, en Machia, selon les Écritures, pour au bout de la masique, au côté de l'église, aux opés Saint-Esprit. C'est ce que je dis, Kolo, Nanzela, il y a Motin Daminaye, Ozope, Maïen, Kolo, Atindi, il y a Motin Daminaye. Ce que vous avez esquivé, Moutou, vous êtes rebelles. Yo, tu es dans Luc 7. Donc il y a des rebelles aujourd'hui au sein de l'Église. Beaucoup. Qui peut être aujourd'hui appelé rebelle? Les catholiques, les protestants, les méthodistes, les pentecôtistes. À partir des pentecôtistes, les ministères de réveil, surtout, ils sont des rebelles. Hormis nous dans l'église de rebelles. Hormis nous dans l'église primitive. Les gens qui croient les sept honneurs. Ça sont les vrais rebelles maintenant dans le message. Alors les témoins de Jéhovah. Sept honneurs. Les témoins de Jéhovah aussi. Sont des vrais rebelles parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le Seigneur Yeshua. Parce que les apôtres et les prophètes avant et les apôtres après, tous prêchaient un homme, Yeshua. Le prophète avant, il disait, il va venir. C'est pour ça que Yeshua a dit que na mobeko ya Moïse, na psaume ya David, pe na ba prophète. Bango nous basa ko lona tina ngai. Bango basa ba misali ba témoin de Jéhovah. Mais ba yibise que Yeshua yende Jéhovah.
Kombo ya Jésus ezali lokuta. Mais kombo na ye ya solo ezali Yehowa. Rubikis. Yehowa. Yahweh El Shaddai. Donc on a kombo na ye ya solo, kombo ya Jéhovah na original ezali na kati. Donc on tangi Matthieu chapitre 1er verset 21. Te okiti. Balobaki na Yosef par l'ange Gabriel. Pesaye kombo ya Yeshua. Parce que yende mobiki si. Azali ko biki sa li bota na ye. Donc on a kombo na ye ya solo Yehowa, Yeshua, Hamashia. Ozali na présence ya kombo ya Yahweh, kombo na ye ya Boyokani, ya kala oya pesaka na mosakoli. Poche. Merci l'homme de Dieu. C'est ça. Merci. Est-ce que quelle différence y a-t-il entre le mariage et la création? Est-ce que le code d'Amorabi est biblique? Mais non. Non. Nalingakina le baquet, Abraham a balaki selon la parole de Dieu. Genèse 26, verset 5 à 6. Tango, Nkoloazo la ka bénédiction na Isaac, alobi na kopambo la yo. Potata na yo Abraham. A tosa ki mi beko nangai. A yo kaki mongongo nangai. A tosi yango. A landi coutume nangai nyonso. Pona yango. Yo mwana na ye na ko pambola yo na ko zala na yo. Eloko wana ezali Bible te. Ezali batu bakende. Donc la polygamie d'Abraham, de David, doit nous servir aujourd'hui d'exemple. Mais ce sont les modèles. Dieu d'Abraham. Mm. Dieu d'Isaac. Dieu d'Israël. Dieu de David. Ce sont tous les modèles. Quand on colloie Yeshua Pessi, frère Branham, révélation, il y a grand sujet sur le mariage et les divorces. Comme modèle, à ce qu'il y a un grand polygame. David, 500 femmes. Salomon, 1000 femmes. À ce qu'il y a un Kanissi, il y a trois places. Bah, on est un modèle. Polygamie partout. Comme David, comme Salomon. Comme dans toute la Bible, Dengue Yeshua, Ate Yangon Afebra. Très bien. Est-ce que le code d'Amourabi est biblique? Non, j'ai dit que ce n'est pas biblique. Mm. Ce n'est pas biblique. Shlomo avait combien de femmes? 1000. Est-ce que le motif des remariages, c'est aussi l'adultère? Toklo Tirewan. Shlomo avait 1000 femmes. Le motif de quoi? Est-ce que le remariage, c'est aussi l'adultère? Oui, l'adultère, ça fait partie des motifs ou des raisons. Donc, une femme répudiée dans le mariage, elle peut aussi être remariée? Ne peut plus se remarier. Parce que la femme ne se marie qu'une fois dans sa vie. Sauf si le premier mari est mort. Romains 7, du premier verset jusqu'au quatrième. 1 Corinthiens 7, verset 39, Deutéronome 24, ça vient de Deutéronome 24. Mais l'homme n'est pas lié à la femme parce que la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Comme l'homme, c'est le chef de la femme depuis Genèse 3 jusqu'aujourd'hui, Éphésiens 5, depuis le verset 22 jusqu'à la fin, verset 32. Alors, la femme est liée à l'homme aussi longtemps que l'homme est en vie. Si du vivant de cet homme, elle devient la femme d'un autre homme, elle est adultère. Merci, pasteur. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir participé dans cette dernière émission avec Roger Bac à Sir Digital Congo? Vous regrettez votre présence dans cette émission? Qui c'est? C'est la dernière émission que vous avez balancée hier à l'église. Que vous avez, Oui, je regrette beaucoup parce que il n'a fait que m'embrouiller, il ne voulait pas se taire. Moi, je pense qu'il était fou. Mais le journaliste, comment il s'appelle, Perrault le Waou. Il ne pouvait pas me mettre en présence d'un malade mental. Je n'ai pas eu le temps de lire la parole, de l'expliquer. Et il était là, le garçon, comme il avait échoué. Et maintenant, il dérangeait. Moi, je n'ai jamais participé à une émission avec un dérangeur. Lui, c'est un véritable dérangeur. Quelqu'un qui fait du théâtre. Et vous appelez un homme de Dieu pour qu'il parle avec un qui fait le théâtre. Je n'ai pas eu le temps de m'expliquer. Mais j'étais très étonné de voir quelqu'un comme ça qui... Donc je regrette d'avoir perdu le temps.
Votre analyse aujourd'hui sur la constitution de notre pays, est-ce que notre constitution nous permet d'être polygame? Oui. La constitution du pays a été rédigée de façon très intelligente par les grands professeurs de l'université de Kinshasa ici, des hommes de droit. Ils ont interdit ce qu'ils devaient interdire, mais ils ont montré par là aussi que vous pouvez être polygame comme vous voulez, mais ne vous présentez pas deux fois à la commune pour le deuxième mariage. Merci. Un dernier mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Je suis très content que j'ai répondu à des question tout à fait biblique et que j'ai donné les Saintes Écritures. Je crois que par là, tous ceux qui cherchent la vérité, ils peuvent suivre la parole jusque dans son quartier général. Donc je suis content de m'être référé aux Saintes Écritures et d'avoir éclairé plus d'une personne. Partout, l'émission sera suivie. Les gens, ils auront soif de connaître. S'ils veulent, peuvent retourner aux Saintes Écritures et prendre le temps de vérifier les versets tels que je les ai cités. Ils vont aimer le Seigneur davantage et d'autres seront orientés. Donc je suis content. Merci. Notre espace est commercial. Cet espace qui est un pasteur Kass, c'est vraiment commercial. Il y a homme dédié, il y a sacrificateur, il y a pasteur, il y a apôtre, il y a peine à posa. Il y a un espace commercial au Bengibiso numéro 1. Donc le pasteur Kass, lorsque nous venons, il n'y a pas de contraintes. Nous venons directement, nous tournons et puis l'émission passe. Sur le net aussi, vous êtes à Londres, à Portugal, en Hongrie, en Inde, bah ton Inde, bah Bengaki, bah image à conférence, peut-être aussi en haut, malembe, malembe, tu vas nous tirer malembe, malembe. Résumé à l'émission, j'espère que si besoin en haut, au peu besoin. Le mercredi, nous serons à la radio. Ici, il sera à la radio à Kinshasa. Et puis, le vendredi, ça sera la rediffusion. Et le lundi, on va concernant Bino Bateau Bozo dans la mission sur la net. Et puis, Bateau Bozo dans la mission, on va poster la télévision dans la Bino. Nous remercions toutes les personnes qui aiment l'émission par rapport aux questions sur le plan spirituel. Au Bozo Tinde, il y a plus de 200 questions. Mais compte tenu de temps, nous remercions l'équipe technique. Nous remercions toutes les personnes qui étaient scotchées, cimentées par rapport à l'émission. Restez scotchées, cimentées. Nous, c'est l'émission Point de Vie. Ciao. Congo les panda. Oh, Congo les panda. Congo les panda. C'est toi pas la mouka Congo. Jimmy a choqué. Azuli kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo lipanda. Asali libango. Congo lipanda. Peninga. Pona kuyeba historia Congo. Landa Congo lipanda.